Fidèles téléspectateurs d'Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, bienvenue à cette émission spéciale réalisée ici à Abidjan à l'occasion de la conférence de Pâques organisée donc par l'église Vase d'Honneur. Et nous sommes ici au centre Kodesh où donc s'est tenu les ateliers de cette grande rencontre. Et le docteur Marou Philippe Karambi faisait partie des orateurs. Au cours de cette émission spéciale, nous allons vous permettre de vivre les temps forts de cette conférence SPAC. Il ne se lasse pas de parcourir le monde. Avec à ses côtés son épouse, le docteur Mamadou Philippe Karambiri est à Abidjan pour un seul but, partager la parole de Dieu avec les frères et sœurs en Christ de Côte d'Ivoire à l'occasion de la deuxième édition de la conférence de Pâques, un événement qui intervient quelques jours après les attentats qui ont endeuillé le pays. C'est un sentiment d'amour fraternel pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire, dans cette période assez difficile pour ce corps de Christ qui est passé avec l'ensemble de la population ivoirienne par ce temps terrible. Et comme Pâques, c'est la résurrection, ça donne aussi une espérance nouvelle. Donc nous venons en même temps pour réconforter le corps de Christ en Côte d'Ivoire, pour leur dire que le Seigneur est avec eux et qu'il y a toujours de l'espérance, car le Seigneur a été enseveli 3 jours et il est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire qu'il y a toujours une espérance nouvelle pour toute situation que nous traversons ou toute épreuve que nous traversons. Et c'est un message d'espérance que je lance donc au corps de Christ en Côte d'Ivoire. Communément appelée SPAC, cette conférence est organisée par l'église Vase d'Honneur. On ne change pas une équipe qui gagne, les participants piaffent d'impatience d'accueillir l'homme de Dieu. On est très heureux avec le peuple de Dieu qui attend aussi l'arrivée du docteur Karambiri. On a de nombreuses personnes qui nous ont dit « Ah, il arrive quand ?» et tout. Donc on sait qu'il est attendu et nous, on est simplement heureux que le messager du Seigneur soit là. Nous avons été fortement enrichis par le docteur l'année dernière et cette année, pour nous, ça allait de soi qu'il nous conduise encore dans un autre palier de la révélation divine. Donc pour nous, il n'y avait pas d'autre option que ce soit lui qui soit là. Et on est vraiment très heureuse aussi que maman Karambiri soit avec lui. L'année dernière, elle n'était pas là, mais cette année, bon, c'est la cerise sur le gâteau. On bénit le Seigneur. Développer une mentalité de vainqueur, manifester la pensée de Dieu est le thème de ce grand rassemblement spirituel. Il s'agit là d'aider les chrétiens nés de nouveau à prendre possession de leur héritage en Christ Jésus. La Pâque, c'est la libération. Ça traduit donc la libération. Et Jésus pouvait dire en Jean chapitre 8, à ceux qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, la véritable délivrance vient de la connaissance de certaines vérités. Et connaître une vérité, c'est un travail de l'intellect, c'est un travail de l'esprit, pardon, de la pensée. Aujourd'hui, l'esclavage est d'abord persistant au niveau de la mentalité. La mentalité limitée, la mentalité des défaites, la mentalité de rejet est une chose qui combat les hommes et même les chrétiens. Donc, à ce moment de Pâques, nous avons choisi un thème pour le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la mentalité. Donc, ce thème, nous l'avons intitulé « Développer la mentalité de vainqueur ». Donc, avec tout ce que cela contient. Parce que si nous comprenons l'œuvre de Christ à la croix, si nous l'acceptons dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre esprit, nous ne pouvons que fonctionner dans la victoire. Parce que la victoire a déjà été acquise par Jésus-Christ à la croix et il faut saisir. La vie chrétienne n'est pas une suite de montagnes russes ni un thermomètre. C'est une école de formation où on doit apprendre à vivre indépendamment des circonstances. Et ces circonstances de la vie peuvent être regroupées sous le vocable « adversité ». Je crois que nous devons acquérir une mentalité qui va nous permettre non seulement de sortir de nos adversités, car l'adversité en réalité n'est pas là pour vous détruire. L'adversité est une étape qui vous permet de mûrir, de prendre des décisions, de sortir de cette adversité-là pour être un vainqueur. Parce que toute adversité veut dire simplement correspond à une épreuve. Et toute épreuve veut dire que vous avez été moulé, vous avez été équipé pour traverser cette épreuve et aller au niveau supérieur. Et je crois que dans ce moment de Pâques-là, Christ a traversé l'adversité de la croix, du tombeau, et il est sorti vainqueur du tombeau, triomphateur. Hôtel communal de Cocody,
le jeudi 24 mars 2016. C'est l'heure des derniers réglages pour le début de la grande réunion publique du jour. L'équipe d'intercession est à l'œuvre. Pendant ce temps, les participants à la conférence prennent place. Atmosphère de louange et d'adoration sous la conduite du groupe musical. Et quand le pasteur Mohamed Sanogo monte sur scène, il entonne l'hymne de SPAC. La loi de l'honneur est au rendez-vous. L'orateur est accueilli avec cette vidéo de présentation. La Bible dit d'honorer de tels hommes qui ont combattu pour l'Évangile par le Saint-Esprit. Cet homme de Dieu que nous recevons a une grâce apostolique. Il est le fondateur des églises et ministères CIEMIA en abrégé. Une église implantée dans plus de 25 pays. Il parcourt depuis plus de 30 ans les nations sur tous les continents pour annoncer la parole de Dieu. Homme de prière, initiateur depuis 2002 de la tour de prière non-stop Mont Carmel. Il est marié au pasteur Hortense Carambiri, adorateur du Seigneur, enseignant de la parole. Un père et repère pour toute une génération. Église vase d'honneur, peuple de Dieu, recevons sous des ovations à Dieu qui nous a fait un tel don. Ce général de Dieu, le révérend docteur Mamadou Philippe Carambiri du Centre international d'évangélisation. Une fois à la chaire, le docteur Mamadou Philippe Carambiri fait chanter ce cantique. 2, 4, je suis en route, en Canaan. Je suis en route. Pour son premier message à cette conférence pascale, l'orateur pose une question interpellatrice. Qui a cru ? Qui a cru et qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Développer une mentalité de vainqueur passe par l'acceptation des faits divins et l'alignement des pensées sur celles de Dieu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Première chose, je dois croire ce que Dieu a annoncé. Quand j'ai cru à ce que j'ai annoncé, alors Dieu me dit que lui, il a accompli des faits divins. Et Dieu me dit, qui va reconnaître ces faits divins-là? Frères et sœurs, ça bouleverse votre vie quand vous croyez, quand vous reconnaissez, alors la présence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va commencer à se manifester dans votre vie. Chaque religion qui existait à l'époque, que ce soit le judaïsme, que ce soit les autres religions qui existaient déjà, les gens se posent la question, mais ils avaient leur pensée. Et Dieu parle qu'il va sauver des gens. Mais quelle est la pensée divine? Si Dieu dit qu'il va sauver les gens, il faut que nous sachions, que nous connaissions, que nous adhérons, que nous acceptons les pensées de Dieu et que nous en faisons miennes. Pour sauver l'humanité, l'Éternel a utilisé la croix, un moyen banal et méprisé à l'époque parce que destiné à la crucifixion des malfaiteurs. C'est par ce biais que le plan de rédemption de Dieu s'est accompli pour tous les hommes à travers la mort de son Fils. Les Hébreux, les Grecs et les Romains, à cause de leur pensée religieuse, leur connaissance scientifique et leur pouvoir politique, n'ont pas eu la révélation du mystère de la croix. Même Satan a été pris de court. Les sacrificateurs, les scribes, tous les chefs religieux du monde qui ont vu la croix là, on leur a dit, c'est le moyen que Dieu a choisi pour sauver le monde. Ils ont crié scandale. C'est un scandale. Ce n'est pas possible. Par leur pensée, était en deçà de la pensée divine. Il y a toute une foule, il y a plus de 15 groupes de gens arrêtés devant la croix.
n'y a aucun groupe qui a accepté de croire. Les femmes battaient leur poitrine parce que pour elles, c'était la défaite de Jésus de Nazareth. Les disciples de Jésus ont regardé la croix sans exception. Les 11, le 12e était mort, pendu. Les 11 autres, aucun n'a cru, aucun n'a reconnu que le bras de Dieu était dans l'affaire de la mort de Jésus. Aucun. Le monde naturel l'a regardé. Ils ont dit scandale, fou, rebelle. Et les femmes pleuraient. Le monde spirituel regarde. Le monde spirituel aussi est là. Satan est là. Les démons sont là. Le Père est là. Les anges sont là. Le monde spirituel regarde cet événement incompréhensible à eux. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les anges ne comprennent pas qu'est-ce que leur Seigneur, le Fils du Dieu vivant, qu'est-ce qu'il fait sur une croix comme un vulgaire bandit. Les anges voulaient se révolter, aller le chercher. Ils ont dit non. Il est en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Les anges ne pouvaient pas supporter. La croix, scandale pour les juifs, folie pour les païens, le centenier romain et le second voleur qui se tenait à côté de Jésus lors de sa crucifixion sont les seuls à avoir reconnu le bras de l'Éternel. Dieu a frappé son Fils, le voile s'est déchiré. Désormais, les hommes ont un libre accès à la sainte présence du Père, sans peur. Qui a cru à ce que ma main a fait? Qui a reconnu que le bras de l'Éternel était dans la mort de Jésus? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Il est devenu péché. Si la main de Christ, qu'il a tendue, quand Christ a ouvert ses bras, il a dit à Dieu, halte, maintenant, je me suis présenté. Je vais te présenter maintenant quelqu'un. Sa main s'est étendue pour aller attraper qui? Le premier homme qui a péché. Et le monde spirituel regarde, les anges regardent, les archanges regardent. On dit par le sang de Christ, il va faire le rapprochement et la réconciliation. Il va amener l'homme tout doucement. Il a fait quoi? Il a réconcilié quoi? Et en réconciliant son sang, le Père a accepté ça. Donc, tout ce que Adam a fait a été quoi? Donc, ses descendants sont quoi? Quiconque qui est descendant d'Adam croit en ce que Jésus a fait, il est quoi? Après cette démonstration, le docteur Mamadou Philippe Karambira a lancé un appel à l'assistance et de nombreuses personnes ont reconnu le bras de l'Éternel et ont accepté de faire de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. La soirée s'est achevée par un temps de prière prophétique contre les maladies et tout esprit d'infirmité. Le fait de savoir faire la différence entre qui a cru, parce que souvent on a des pensées. On pense que nous avons cru alors que nos pensées ne cadrent pas vraiment avec les pensées de Dieu. Et le fait de que le pasteur Karambiri, le Seigneur passe par le pasteur Karambiri pour nous dire ce genre de choses, ça redynamise maintenant en fait nos pensées, ça redynamise en fait nos croyances et nous essayerons maintenant d'essayer de calquer nos pensées à celles de Dieu. Souvent on se dit qu'on croit en Jésus, on se dit qu'on a accepté Jésus, mais notre mentalité même n'a pas véritablement accepté Jésus. C'est-à-dire c'est une véritable circoncision du cœur, c'est un appel, c'est-à-dire que sa voix, ça nous amène à aller plus dans les profondeurs, parce qu'on sent que véritablement, malgré tout ce qu'on fait, malgré l'effort qu'on pense avoir fait, on est encore limité. Avec des images, on a bien compris le message de la croix, qui est le message de la vérité. Comme il a dit, que ce qu'on fait comme Noël et tout ça, ça n'a pas de vérité. Mais le message de la croix, c'est-à-dire c'est au travers de la croix que Dieu nous a réconciliés les uns les autres, lui, entre les hommes et avec lui-même. Donc c'est le message le plus glorieux. Par rapport au message de la croix, c'est vrai que là,
j'ai compris plus en profondeur le fait que Jésus soit allé au séjour des morts et m'être délivré de toutes les condamnations, de tous les péchés. Je suis une nouvelle créature. C'est une mentalité nouvelle en fait. Voilà, je repars avec ça. Je suis libre. Jésus, il a tout fait pour moi. Il a payé le prix. Écoutez, je suis au repos. Je suis vainqueur, amen. J'ai la victoire, j'ai l'autorité. Vendredi 25 mars, l'affluence est encore plus grande. Vu d'en haut, la mobilisation se laisse tout simplement apprécier. L'hôtel communal de Cocody est pris d'assaut par une foule de fidèles, désireux d'entendre la révélation de la parole de Dieu en cette semaine pascale. Le comité d'organisation a même recours à des écrans géants pour permettre aux participants de savourer le message du royaume des cieux livré par le docteur Karambiri, un message en phase avec le vécu quotidien. Comment triompher de l'esprit de peur par la peur, le mot il est lâché. C'est cette arme sordide utilisée par Satan pour faire des dégâts dans tous les milieux. L'orateur la décrit comme un sentiment de forte inquiétude et d'angoisse. Elle se manifeste sous trois formes. Le premier niveau de peur que Satan utilise, qu'il utilise chez les individus, dans les maisons, dans les familles, c'est ce qu'on appelle de façon commune la timidité, l'esprit de timidité. Cet esprit de timidité, sur le plan naturel, a des effets catastrophiques dans la vie d'un enfant. Quand il s'arrête devant la foule, cet enfant intelligent, à cause de la timidité, il s'en va et on lui dit de réciter une récitation. L'enfant à l'école primaire est paralysé à cause du fait qu'il est en face d'une foule. Les grandes personnes, pour s'arrêter et tenir un micro, pour donner leur témoignage, ils perdent toute leur assurance. Un homme de Dieu dit à un jeune homme appelé Timothée, il dit, je ne comprends pas, le collège des anciens et moi-même, nous t'avons imposé les mains. Et dans cette imposition de main, nous avons vu le transfert de la puissance divine dans ta vie. Et tu n'arrives pas à opérer. Et quand Paul le regarde, il dit c'est l'esprit de timidité qui te paralyse. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a ce qu'on appelle les pensées secondaires et les pensées dominantes. Les pensées dominantes, les pensées secondaires sont les pensées passagères. Mais les pensées dominantes, si la peur est ta pensée dominante, alors tu seras comme cet homme-là. Cet homme-là s'appelait Job. Ça, c'est le deuxième niveau de peur. Ça va plus que la timidité. Cette peur que Job avait, il était là-dedans permanemment. Et maintenant, quand les premiers et les deuxièmes niveaux sont combinés, on ouvre la porte au troisième niveau de peur. Mais qui n'est plus une peur naturelle, qui n'est pas une peur mentale, simplement, psychique, mais une peur démoniaque. Et là, il faut une délivrance réelle. Face à la peur, Dieu met à la disposition de son peuple sa paix, qui se manifeste aussi à trois niveaux. Quand j'ai accepté Jésus et que je suis justifié, Dieu me dit, tu as la paix avec moi. Avec moi, en tout cas, tu as la paix. Et avec ça, maintenant, tu peux affronter rapidement la timidité et ces choses-là. Ça, c'est un. Avoir la paix avec Dieu et la paix de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? La paix avec Dieu, ça veut dire qu'il n'y a plus de... Mais la paix de Dieu vous donne quoi? La paix de Dieu vous donne quoi? Elle surpasse toute intelligence maléfique, toute intelligence, toute forme d'intelligence, toute forme d'intelligence, et elle va garder vos cœurs. Ça, c'est le deuxième niveau de paix face au deuxième niveau de peur de Satan. Maintenant, allons au troisième niveau. Le Saint-Esprit va mettre en toi la paix de Dieu. Et quand il y a cette paix de Dieu-là, ça va contrôler, ça va surpasser toute intelligence, toute forme d'intelligence, et ça va garder ton cœur. Et en ce moment-là, en gardant ton cœur, tout de suite, tu vas commencer à développer ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable. Et tout ça, c'est des vérités qui vont faire quoi? Des pensées de vérité, des pensées qui vont te stabiliser. Maintenant, si l'ennemi, malgré tout cela, attaque, le Dieu de paix même se présente maintenant.
L'onction ne peut rien contre la peur. Il faut une mentalité de vainqueur basée sur la parole de Dieu. Cas pratique, celui de Job, homme intègre et droit, toujours en train de sanctifier ses enfants. Il avait cependant un défaut, la peur était dans ses entrailles et le paralysait. Malgré la sainteté de Job, écoutez-moi, malgré son intégrité et sa droiture, la pensée dominante de Job, c'est que ce qu'il est, ce qu'il a, ne va pas durer. Il vivait dans cette peur permanente. Et la peur est une semence. Quand il a semé, on va récolter. Cet enseignement vient à point nommé dans un contexte où la peur est la chose la mieux partagée dans le monde. Et il fallait bien cette thérapie de choc. Effectivement, c'est un fléau, la peur. Aujourd'hui, nous constatons que le monde entier est en proie à ce grand fléau spirituel, mais qui est en même temps lié à l'ignorance, surtout parce qu'on est affranchi par la vérité. C'est un message d'actualité parce que vous savez bien pertinemment qu'on a peur quoi, de la mort, on a peur de perdre ses finances, on a peur de la sorcellerie, on a peur de l'échec, on a peur de rester dans le chômage pendant longtemps. Et on voit nos sœurs aujourd'hui 40, 45 ans qui sont là sans mari. Aujourd'hui on voit que certains vont à certains programmes de prière et multiplient les prières même chez eux à la maison, pas parce qu'ils ont envie d'avoir une communion avec Dieu, mais tout simplement parce qu'ils ont peur. Ma pensée, mon imagination a été redimensionnée, régénérée avec la dimension de la parole que j'ai reçue ce soir. Je sors de la deuxième dimension où j'étais pour les pensées dominantes. Je rentre maintenant, je possède la paix de Dieu, je vis la paix de Dieu. C'était vraiment waouh. Moi, je mets déjà en pratique pour montrer que j'ai été délivrée par ce message, montrer que ça m'a fait du bien parce que j'ai visiblement peur des lumières et des micros. Mais je pense que le papa vient de me délivrer par sa parole et par l'Esprit de Dieu qui est sur sa vie. Moi, personnellement, je me suis retrouvée dans les trois groupes pour lesquels papa Karambiri a prié. Et je sais comment j'étais animée par la peur de la maladie. Moi-même, je suis médecin. Et donc, en fonction de ce que je vois à l'hôpital, j'ai toujours peur de ça pour moi-même, pour mes parents, pour mes proches. Je vivais dans cette peur-là malgré l'amour qu'on a pour le Seigneur et je voudrais bénir. Les mots me manquent. Lorsque l'ennemi s'élève, nous avons le Dieu de paix qui est supérieur à Satan. La victoire, le triomphe est certain. En plus des réunions publiques, des ateliers sont initiés au centre Kodesh, 6 deux plateaux, 7e tranche. Assis, le docteur Karambiri enseigne et conduit l'assistance pas à pas à travers les saintes écritures à s'imprégner des contours de l'adversité de la vie. Il a d'abord défini l'identité réelle de l'adversaire du chrétien. Satan est le vrai ennemi de la nouvelle création. Ne pas s'en rendre compte est déjà une défaite en soi avant l'heure. Après cette mise au point, d'autres conditions doivent être réunies pour que le processus du triomphe ne se mette en branle. Il y a toute une combinaison qui va faire de toi un triomphateur. D'abord, ta nouvelle naissance, ton identité, la plénitude du Saint-Esprit, la parole de Dieu, et ensuite la foi. La foi inébranlable que Dieu t'a donnée, car le juste vie et marche par la foi. Alors, quand il y a ces quatre éléments principaux et que tu vois ça très bien, alors tu es vraiment maintenant et affermi pour commencer ta marche et sur la route de l'adversité. Et même si l'adversité vient, tu vas l'affronter au fur et à mesure de façon, en tout cas, adéquate. La création attend les fils de Dieu, les ouïos. Les ouïos, ce sont ceux qui sont devenus majeurs, qui sont entrés dans la mentalité du Père, qui se sont entrés dans la dignité du Père, qui s'identifient à lui, qui savent quelle est leur identité. Ils sont fils de Dieu, ils sont les ouïos.
ils ont le droit de régner. Le Fils de Dieu, conscient de son identité en Christ Jésus, doit tout de suite savoir que le triomphe ne dépend pas de ses propres forces. Notre absolu, c'est qu'en Christ, nous triomphons toujours. Premier élément. On n'a pas dit si je jeûne ou je ne jeûne pas. Le triomphe en Christ est un don. C'est une grâce que Dieu m'a faite. J'entre simplement. Dieu met le triomphe de Christ à ma disposition. Parce que ce qui a troublé les chrétiens, ce sont ces termes de fameux combat spirituel. Donc, automatiquement, la plupart des chrétiens qui sont rentrés, sans entrer dans la maturité, on les a fait rentrer dans le combat spirituel. Et ça va leur créer des ennuis terribles. L'adversité a plusieurs noms, mauvais jours, tribulations, fondements renversés. Mais selon le docteur Mamadou Philippe Karambiri, peu importe la forme sous laquelle elle se présente au Fils de Dieu, le triomphe est toujours possible lorsqu'on est conscient de la présence permanente de Dieu en soi et avec soi. Quant aux disciples, dans la barque et face à la tempête, ils ont manqué le coche. Quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus, écoutez-moi, la barque là, c'est votre vie. Et dans cette barque là, vous-même vous êtes là-bas et il y a Jésus dans cette barque là. La barque qui traversait la mer, et la mer là, c'est le monde, c'est la, et le monde avec les vents et autres là, ce sont les adversaires qui viennent contre vous. Et dans cette barque là, Jésus était là. Jésus représente dans cette barque-là votre homme intérieur. Et vous-même, vous êtes l'homme extérieur. Votre homme extérieur était en danger. Mais en ce temps-là, l'homme intérieur qu'on appelle Jésus est couché et il dort. Faites attention, entretenez bien votre homme intérieur. Entretenez-le bien. Laissez-lui la première place. Dans vos adversités, parlez avec lui. Dès le début, ils auraient pu dire à Jésus, nous sommes en danger. Non, ils ont voulu se débrouiller. Ne vous débrouillez pas et en dernière minute, faites appel maintenant à Dieu, comme si Dieu doit venir du ciel. Il est déjà en vous, il est en vous. Le premier niveau d'adversité, quand les épreuves morales, les épreuves de tout genre viennent contre vous, vous avez l'homme intérieur en qui réside le Saint-Esprit, faites appel à lui. Mais si vous n'avez pas développé ça, ça ne sera pas brusque. Tous les jours, vous devez développer. Le Saint-Esprit est en moi. Je suis la maison d'habitation de Dieu. Je suis la demeure du Saint-Esprit. Il est en moi. Il est avec moi. Tous les jours, matin, midi, soir, quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans le bus, vous devez développer cette mentalité de la présence de Dieu en vous et avec vous. Toujours, il est en moi. Ne regardez pas les événements. Il est en moi, quoi qu'il advienne. Ça ne va pas aujourd'hui. Il est en moi. Seigneur, tu es avec moi, en moi. Chante, compose des petits chœurs. Chante-les. Compose des psaumes. Compose des hymnes. Chante-le. Au fur et à mesure que tu chantes, ton esprit devient fort et ton âme commence à se soumettre. Parce que ton âme entend tes propres paroles. Quand ton âme entend ça, elle se soumet. Et ton âme est renouvelée par la parole de Dieu, renouvelée. Et ta mentalité maintenant, de la présence de Dieu, devient une réalité. Deux personnages bibliques ont développé cette conscience de la présence de Dieu. David a appris à s'appuyer sur l'Éternel pendant ces temps difficiles. Paul aussi, lorsqu'il était en prison avec Silas, il a manifesté par la louange et l'adoration une mentalité de triomphateur. Avant de terminer son enseignement, le docteur Karambiri a parlé de l'importance de la loi de semer et de récolter. À côté des dîmes et des offrandes, il a exhorté par des témoignages à l'appui les fidèles à semer, surtout en période de sécheresse, comme l'a fait Isaac. À l'issue de cet atelier pratique, les apprenants d'une matinée se prononcent. J'ai été vraiment impacté par le fait qu'il a encore challengé nos mentalités, nos conceptions, nos manières de penser, en tout cas nous relancer encore pour ne pas qu'on se laisse bloquer par ces pensées qui nous maintiennent captifs et qui nous empêchent effectivement de pouvoir rentrer pleinement dans notre victoire. Je garde aussi la conscience de la présence de Dieu. Ne dépend pas des frissons que nous ressentons, des sensations, mais de pouvoir manger, de pouvoir accepter la parole qui est en nous, d'être conscient que Dieu en nous est en nous et est pour nous et avec nous. Ce qui m'a plus marqué, c'est le fait qu'il nous
fasse comprendre que nous sommes des êtres spirituels. Et en tant que tels, nous pouvons donc triompher de par toute adversité. C'est des choses qui me regardent en pro parce que je traîne une maladie depuis plus de 40 ans. Ben, je suis chrétienne, mais je suis bénie dans d'autres choses, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à guérir? Pourquoi? Mais je n'avais jamais compris qu'il fallait vivre en Christ et Christ en moi. Oublier la maladie et regarder comme le serpent des reins. Regarder à Jésus. Samedi 26 mars, au programme Le Marathon de la Parole. Des serviteurs de Dieu se succèdent à la chair pendant plus de 7 heures. Dans cet exercice, l'orateur principal de SPAC 2016 exhorte les fidèles à se laisser transformer par le renouvellement de leur intelligence, une exhortation qui cadre bien avec le thème de cette édition. Beaucoup de chrétiens sont comme des gens qui tournent en rond et 5 ans après, ils se retrouvent au même point de départ. Il y a une frustration en eux parce qu'ils se sont conformés donc au siècle présent. Mais la Bible dit, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Quelle intelligence spirituelle? On ne parle pas de ton quotient intellectuel comprenant les mathématiques ou la géographie, on parle de l'intelligence spirituelle. Après s'être converti au Seigneur Saint-Esprit, la nouvelle création doit apprendre à entendre sa voix, à la discerner et à se soumettre à ses instructions. Le processus de transformation enclenché ainsi se poursuivra pour que le chrétien soit à l'image de Christ. J'ai victoire à deux niveaux. Au niveau de mon mental, est transformé, je suis vainqueur dans mon mental, je ne réfléchis plus comme les gens de ce monde-là et en même temps, mon esprit intérieur, à partir duquel opère le Saint-Esprit, me donne la liberté. C'est-à-dire, ouvre la porte de la liberté, la gloire de Dieu se manifeste. Alors que cette gloire-là est prisonnière en nous. Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais elle est prisonnière où? En notre esprit. Mais quand nous nous convertissons, nous nous livrons au Saint-Esprit. Nous nous soumettons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au moment où il aide l'âme à se soumettre, le même Saint-Esprit ouvre une porte pour permettre à la gloire de Dieu de sortir. Pour faire quoi? Quel est son but quand la gloire se manifeste? Nous sommes transformés en la même image. Quelle image? L'image de Christ maintenant. C'est-à-dire que Christ commence à sortir de nous. Nous sommes comme le reflet de Christ. Sur ce même processus de transformation, le docteur Karambiri va lever un coin de voile avec clarté et profondeur sur le passage de Proverbes chapitre 20, verset 27. Le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Voici le secret qui a été révélé donc à Salomon. Le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme est une lampe, c'est la lampe de Dieu. Ton esprit est la lampe de Dieu. La lampe là, qui est ton esprit, qui était à l'intérieur, si tu la laisses avec la parole de Dieu, les deux ensemble, la parole de Dieu transforme, renouvelle ton intelligence. Et pour aligner sur la pensée de Dieu, le Saint-Esprit qui a utilisé cette arme de la parole de Dieu pour te travailler et tu acceptes, le Saint-Esprit a la puissance de te donner maintenant la révélation, la connaissance. Et l'âme commence à se stabiliser. Les émotions de l'âme. Parce que la parole va faire quoi? Elle pénètre dans ton âme, elle restaure ton âme, elle opère ton âme et elle sépare ton âme avec ton esprit. Et elle donne à ton esprit la liberté maintenant d'agir comme une lampe dans ton âme. Et quand ça va se passer, ton corps sera illuminé. Les maladies disparaissent. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Cas pratique, Moïse choisi par Dieu pour libérer son peuple d'entre les mains du pharaon d'Égypte. Avant qu'il n'aille en mission, il a fallu qu'il passe par le même processus de transformation et la scène se passe devant le buisson ardent. Moïse se détourna parce qu'il veut comprendre
pourquoi le buisson là brûle et ne se consume pas. Et pour le comprendre, dans le naturel, il est limité. Maintenant, il faut se détourner. Il se détourne de sa manière, de penser. Et c'est ça le raisonnement qui s'élève comme le raisonnement contre la connaissance de Dieu, dit 2 Corinthiens 10. Dieu a vu que Moïse se détourne. Ah, quelque chose est en train de se passer. On n'a pas dit que Moïse est en train de regarder. Il s'est détourné pour voir. Alors, Dieu va commencer à parler à Moïse. Le point culminant de l'enseignement donné lors de ce marathon de la parole a porté sur comment cultiver la conscience de la présence permanente de Dieu en soi et avec soi. Comme un muscle se fortifie au gré d'exercices répétés, le chrétien né de nouveau doit savoir que rien n'est automatique, une discipline personnelle s'impose. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des... Mets tes propres paroles, Ne chante, prends des mots, mets tes propres paroles. Reste là pendant 30 minutes. Et la présence de Dieu commence à envahir, là où tu es. C'est pourquoi je reste dans sa présence 5 heures, 6 heures, 7 heures. J'aime sa présence. Dis-lui que tu l'aimes, que tu l'adores. C'est le plus grand secret. Dis-lui simplement ça. La séance des questions-réponses a mis fin à la session. Je crois que ce qu'il faut retenir de substantiel, qui va déclencher, qui est l'élément déclencheur de toutes les autres choses, c'est cette mentalité de la conscience, de la présence du Saint-Esprit, et d'entretenir, vraiment la mentalité d'entretenir cette relation permanente avec le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est la mentalité vraiment d'être en contact avec la parole de Dieu. La parole de Dieu va transformer notre mentalité et nous permettre de pouvoir donc discerner la volonté de Dieu, qui est celle qui est bonne, agréable et parfaite. Mais l'autre niveau, c'est ce niveau d'intimité avec le Saint-Esprit qui va nous donner vraiment la mentalité d'être revêtu du caractère même de Christ. Nous devons avoir une communion, une intimité avec le Seigneur et aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit agissant dans notre vie. Je retiens que pour avoir une nouvelle mentalité, une mentalité renouvelée, je dois rechercher la plénitude du Saint-Esprit et m'attacher à la parole de Dieu. C'est surtout l'intimité avec Dieu qui fait la différence. Et pendant que Papa Karambri parlait, on a vu que sa soif et sa faim de Dieu ont été étanchées par la présence permanente de Dieu dans sa vie. Et vraiment, ça m'a vraiment béni. Avec ce message que nous avons entendu, je crois encore que ça a plus encore bouleversé notre vie. Ça va nous emmener encore véritablement à prendre cette décision, à rester dans la présence de Dieu et entendre la voix de Dieu afin de pouvoir agir. Dimanche 27 mars 2016, le monde entier célèbre la résurrection de Jésus-Christ, comme c'est le cas ici au centre Kodesh de l'église Vase d'honneur d'Abidjan. Une Pâque bien particulière, avec comme enseignant du jour le docteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse. La plus grande fête de la chrétienté contraste bien souvent avec l'ignorance dont font montre de nombreux chrétiens. Ils confondent les promesses et les faits, selon l'orateur principal de SPAC 2016. Le docteur Karambiri a d'abord situé le contexte dans lequel la résurrection s'est opérée et l'atmosphère qui a prévalu avant que le Seigneur Jésus-Christ ne sorte victorieux du tombeau. L'univers était silencieux. Les gens se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que le prince de la vie était enterré. Et tout ce qui était vivant n'avait plus de raison. La mort avait envahit le monde entier. Et il y avait un silence dans l'air, surtout que le Père s'était détourné de la terre parce qu'en ce moment, son fils est devenu péché. Il est entre les griffes maintenant de l'ennemi. Quand le soleil s'est levé, le glorieux Saint-Esprit a mis les pieds dans les tombeaux. Les démons ont regardé. Les démons ont dit, ça chauffe ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre.
que nous ne connaissons pas beaucoup. C'est qui? Un qui a dit, ah, paraît-il qu'il s'appelle le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vie. Il est rentré dans le tombeau. Il a fait quoi? Il a roulé la pierre et il a dit, sors Jésus. La résurrection triomphale de Jésus-Christ d'entre les morts a occasionné la naissance d'une nouvelle race d'hommes et les bénéfices sont innombrables pour les chrétiens nés de nouveau s'ils les acceptent avec une mentalité renouvelée. La résurrection, c'est ça mon frère, l'espérance pour le chrétien. Tu dois aller à la croix pour que ton vieil homme soit détruit et que tu sois enseveli avec lui dans sa mort. Mais il est dit, tu dois ressusciter en nouveauté de vie. Parce qu'il est ressuscité. C'est un fait. La résurrection n'est pas une promesse. C'est un fait. Il faut l'accepter. On n'a pas besoin de comprendre la résurrection. On accepte la résurrection comme un fait. Et on rend grâce à Dieu pour la résurrection comme un fait. Et en ce moment, les bénéfices de la résurrection commencent à se manifester en toi. Pourquoi demeures-tu dans le tombeau? Alors que celui avec qui tu as été crucifié à la croix, il a été crucifié pour toi, mais tu as été crucifié avec lui. Il est descendu dans le tombeau et quand il est ressuscité, il est sorti avec toi du tombeau. Pourquoi continues-tu de chercher tes solutions dans des endroits morts alors qu'il est vivant et il vit en toi? La question de la résurrection. Mon frère, ma sœur, s'il n'y avait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas de salut. Membres du corps de Christ, tout ce que le Seigneur a et est, sont pour les chrétiens de nouveau. Ils sont également bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu a ressuscité Christ, lui a donné une place d'autorité à sa droite, au-dessus de tout. Et on te dit que sa résurrection et ta résurrection, c'est la même. Il vous a ressuscité ensemble. Et tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Au-dessus de quoi? Au-dessus de quoi? Toi, tu es assis au-dessus de quoi aussi? Toute domination, toute autorité, toute dignité et tout nom. Mais pourquoi tu refuses cette vérité, ce fait divin? Tu es positionné où? Dans les lieux? Christ est où? Dans les lieux? Les bénédictions, tu te trouves où? Dans les lieux? Ah non, mes frères, les bénédictions sont dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, il n'y a que la vie, la santé, la victoire, tout. Et toi, tu es là-bas et c'est Christ est en toi. Mais quand tu regardes les choses du lieu céleste, tu n'as rien. Quelque chose ne va pas. La puissance divine qui est liée à la puissance de la résurrection nous a déjà tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce qui est frustrant, c'est qu'un homme soit très riche et qu'il n'ait pas accès à sa richesse parce qu'il ne connaît pas le code de son coffre-fort. Le message sur les bénéfices de la résurrection vient compléter l'enseignement sur la croix. J'ai retenu que nous devons croire en la résurrection du Christ pour bénéficier de tout ce qui est avec ça. Et puis aussi, j'ai retenu que pour entrer dans notre destinée, on a besoin de la résurrection de Christ, qui est le fait que nous aussi, nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui dans nos caractères, nos comportements, nos manières de voir. Notre mentalité ressuscite avec Christ. Automatiquement, nous rentrons dans des domaines où avant, on ne pouvait pas entrer à cause de notre mentalité. Tout ce qu'il a est pour nous, bien évidemment, et nous sommes aujourd'hui co-héritiers de Jésus-Christ et héritiers du Père. Sans la résurrection, je dirais qu'il n'y avait pas de suite. Et aujourd'hui, on a la capacité de devenir enfant de Dieu, de manifester la vie de Dieu grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui nous fait de nous des enfants de Dieu. Et véritablement, il faut dire que c'est l'une des clés majeures dans le christianisme, la résurrection de Christ. C'est vrai, il est ressuscité, c'est pour lui. Mais en fait, il est ressuscité, c'est pour moi. Et de la même manière que Christ a été élevé et assis à la droite du Père et qu'il était assis sur toutes les dominations, les autorités, de cette même manière, cette réalité, je la saisis maintenant aujourd'hui. Je ne l'avais pas vraiment comprise. On souvent dit que Christ est ressuscité, mais on a l'impression que le bénéfice lui appartient. Bon, je veux bénir le nom du Seigneur pour le pasteur Mamadou Karambiri parce que c'est un vrai père. Quand il enseigne,
On sent vraiment le poids des années, on sent vraiment la charge et l'expérience qu'il a avec le Seigneur. C'est particulièrement important parce que pour nous, ça dispose deux fois plus notre cœur à cause de l'expérience, à cause de l'intimité que nous savons qu'il a du Seigneur. Le dernier enseignement du docteur Mamadou Philippe Karambiri aux fidèles de l'Église Vase d'Honneur est tout aussi capital que les précédents. Et cet enseignement a porté sur la vision. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre, cherchant des hommes ou des femmes en qui il va semer sa vision pour que ces hommes-là envahissent le monde. La vision n'est pas proportionnelle à ta connaissance. Elle dépasse toujours ta capacité. Elle va au-delà de ta capacité de compréhension. On accepte la vision. On adhère à la vision. On croit à la vision. On s'empare de la vision. On sème la vision. On embrasse la vision. On proclame la vision. On regarde la vision. On marche dans la vision. Et la vision s'accomplit. Les leaders voient leur futur à distance grâce à la vision que Dieu leur a communiquée. Une vision en rapport avec leur destinée spirituelle. Il y a deux aspects de la destinée d'un homme. There are two aspects to the destiny of a man. La première partie de ta destinée, c'est la destinée naturelle. The first part of your destiny is your natural one. Tu vas au lycée. You go to high school. Tu as tes diplômes. You have your certificate. Tu deviens ingénieur ou informaticien. You become engineer or an IT person. Ça, c'est la destinée naturelle. That's the pharmacist. Mais sache une chose. But know one thing. Tu n'es pas né pour être pharmacien. You're not born to remain a pharmacist. Tu n'es pas né pour être ministre. You're not born to remain minister. Tu es né pour accomplir les desseins de Dieu. You're born to accomplish the good wills. L'exemple le plus patent est celui d'Abraham. C'est au moment où son avenir était derrière lui qu'il recevra une vision de l'Éternel. Adorateur d'idoles, il a reçu une espérance nouvelle et a décidé de suivre cette vision. Abraham a décidé, mon frère, ma sœur, de suivre cette vision. Même s'il n'y avait rien de matériel qui puisse lui dire, voilà la vision. Le monsieur est à côté de la tombe. Il doit mourir bientôt. On lui dit non. Qu'au contraire, c'est maintenant que sa vie commence. C'est à 75 ans que son futur commence, que son avenir commence. Et ce n'est pas fini. Il est sans enfant. On lui dit, de ton sein là, va sortir une nouvelle génération. Et le monde entier sera béni. La vision dépasse toujours votre capacité de compréhension. Lot, le neveu d'Abraham, n'a jamais su entrer dans la vision communiquée à son oncle. Il était plutôt guidé par sa vue, symbolisant les cinq sens. Quant au père de la foi, son obéissance a réjoui le cœur de Dieu. À la fin de la vie d'Abraham, Dieu a dit aux anges et aux archanges, cet homme-là m'a tellement fait du bien. Quand je le prenais, il n'y avait aucune espérance en lui. Et regarde, il a terminé sa vie comme mon ami. Il dit, quelle récompense je peux lui donner? Il dit, je vais prendre une partie du ciel et je vais amener, j'avais nommé ça le sein d'Abraham. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui mourait allait directement dans le sein d'Abraham. Tu as été créé pour impacter le ciel. Et c'est ça la vision que Dieu donne à un homme. La vision d'Abraham, un bel exemple pour les fidèles de cette assemblée qui regorge en son sein de nombreux leaders. SPAC 2016, c'était également un temps spécial d'enseignement que le pasteur Hortense Karambiri a eu avec les fidèles en ce dimanche, jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Un enseignement de belle facture puisque les fidèles ont été richement bénis et plusieurs ont pris des résolutions juste après l'enseignement et certains même ont décidé d'aller demander pardon à des gens qui les ont frustrés ou à des gens qu'ils ont eu à frustrer de par le passé. Je vous permets de suivre ce compte-rendu. Ce matin, Saint-Esprit. Oh, oh, oh.
C'est dans cette atmosphère d'adoration que le pasteur Hortense Karambiri aborde le thème « Vainqueur par la mentalité d'amour », l'une des principales clés pour manifester le règne de Dieu. Ce message vient comme une précaution. Une précaution parce qu'on peut être béni. On ressort d'ici avec des paquets de bénédictions. Mais on arrive chez nous dans des petits problèmes relationnels, dans des questions de manque de pardon, dans des problèmes d'amertume, de ressentiment. On gaspille la bénédiction et on n'y rentre pas. Et si on y prend garde, on revient à la prochaine conférence avec les mêmes problèmes, avec les mêmes soucis. Et c'est pourquoi je viens avec une petite contribution. Cette contribution-là, c'est pour attirer notre attention sur ce domaine qui est critique. Écoutez, de ma petite expérience, je suis en train de me rendre compte qu'un des gros problèmes des enfants de Dieu, je ne dirais pas que c'est forcément Satan, c'est notre cœur. Tu es dans une situation où tu refuses de pardonner et tu trouves tous les arguments pour refuser de pardonner, pour refuser d'aimer tel que Dieu veut. Je dis bien, aimer tel que Dieu veut. L'amour divin, l'amour agapao. Si tu ne rentres pas dans ce standard-là, tu peux annuler tes bénédictions et t'asseoir. Dans sa prière sacerdotale, Jésus-Christ, avant sa mort et sa résurrection, a encore insisté sur l'amour, dénotant de son importance capitale dans le royaume des cieux. Les veilles de la mort de quelqu'un qui sait qu'il va mourir, ce ne sont pas des prières farfelues qu'il va faire. C'est des prières qui tiennent à son cœur. C'est des prières auxquelles il tient. Et il termine cette prière sacerdotale avec un élément critique sur l'amour. Il dit dans Jean 17, verset 26, il dit, « Père, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore. Car l'amour dont tu m'as aimé, je veux que cet amour soit en eux et que moi-même je sois en eux. » Sinon, ils ne pourront pas refléter l'amour divin. Paul vient plus tard, dans Romains 5, verset 5. Il dit, par révélation, il dit, « Or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Donc, il vient dire que la prière de Jésus a été exaucée à 100%. Et plus tard, il dit, « Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Donc la prière de Jésus a été exaucée. Mais pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous continuons à nous haïr, à nous trahir, à nous mépriser, à manquer d'amour et à nous jalouser alors qu'on est unique? Je suis unique, tu es unique. Selon le pasteur Hortense Karambiri, Dieu est intransigeant sur cette question d'amour. L'oratrice a été son enseignement par des témoignages vivants. Il y a une sœur qui m'a donné un témoignage sur une situation qui s'est passée dans leur service. Elle dit qu'il y avait un jeune de 24 ans qui n'est pas un enfant de Dieu et qui venait de découvrir qu'il avait le cancer du cerveau. Et comme elle était le chef hiérarchique de ce jeune homme, et elle aussi, ses chefs hiérarchiques sont venus vers elle pour dire « on doit tout faire pour le licencier ». Étant enfant de Dieu, elle a dit non, c'est maintenant qu'il a besoin de plus, de soutien. Et un jour, il y a une d'elles, une de ses supérieurs qui vient vers elle, qui lui dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Et écoutez ce qu'elle va lui dire. Elle dit, parce que nous savons que vous n'êtes pas du même groupe. Et il y a la révélation de ce que je vous dis. Donc ça veut dire que, eux, ils sont d'autres groupes et ils savent que ce jeune et cette sœur-là ne sont pas des mêmes groupes. Donc, il n'est pas chrétien. Et elle va découvrir que cette personne, cette femme qui lui parlait, était d'un groupe sataniste. L'autre lui dit, ah, je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi toi, on n'arrive pas à t'atteindre. Elle dit, mais quand tu es arrivé dans ce service et que tu as multiplié beaucoup de petites actions pour amener les gens à l'unité et à l'amour, on t'a combattu. Parce qu'on n'a pas voulu, on ne veut pas ça. Et elle lui dit que nous t'avons attaqué une fois. Normalement, tu devais perdre une jambe.
et tu t'en es sorti, on n'a pas compris pourquoi. Elle voulait rentrer dans le RER, une de ses jambes était restée dans le trou, entre le truc et le RER. Les SAMU sont venus, on l'a amenée rapidement à l'hôpital et le médecin dit, mais quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Elle est passée par ça, mais elle n'a eu que des égratignures. Et le médecin dit, toutes les fois que quelqu'un est venu dans cette situation, c'est que cette personne a perdu une jambe. Donc cette femme lui dit, ah, je comprends maintenant pourquoi on a multiplié des actions contre toi, on n'a pas pu. Parce que simplement, tu aimes les gens. Durant son parcours professionnel, elle a déclaré avoir eu affaire à l'hostilité, la haine et la calomnie. Mais son triomphe a été rendu possible quand elle a mis en branle la loi de l'amour, même quand ses cinq sens lui suggéraient autre chose. Le rejet par mes propres agents, les persécutions de toutes sortes. Le Seigneur me disait, tu n'as pas le choix que de les aimer, malgré tout ce qu'on faisait. Et c'est dans ces conditions-là que je vais apprendre. C'est-à-dire, quand j'ai résisté, et surtout, quand les ennemis, ceux qui étaient contre tout ce que je posais comme acte, se sont levés pour faire. C'est-à-dire, ils ont même appelé ça leur ultime arme. Toutes les preuves étaient détruites. On part de gauche à droite, on ne trouve aucune preuve. Même ceux qui étaient mis en copie de certaines lettres, tout a été détruit. Donc, c'est leur mensonge contre rien à mon niveau. J'ai passé 4 jours. 4 jours, je n'ai pas mangé ou je n'ai pas bu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est resté sur sa parole. Rien à faire. Le pardon. Les pardonner et sincèrement. Pas les pardonner en les jugeant. Pas les pardonner en les condamnant. Tu dois pardonner comme moi, je vous ai pardonné. Et après, il va jusqu'à me dire, tu dois pardonner et tu dois aussi leur demander pardon. Le Seigneur me dit, c'est vrai que c'est eux qui ont commencé. Ils ont commencé. Mais regarde, entre le temps où tu as découvert ces choses-là et jusqu'aujourd'hui, tu les as insultés, tu les as jugés, tu les as critiqués. Et finalement, tu es venu au même niveau qu'eux. Ça n'a pas été facile, mais j'ai accepté le faire et j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu la victoire plus que... C'est-à-dire, on ne peut même pas imaginer qu'on peut remporter une victoire pareille au bout du compte. Le caractère pratique de l'enseignement donné par le pasteur Hortense Karambiri n'a pas laissé les fidèles insensibles. À la fin du culte, beaucoup ont pris de fermes résolutions pour se mettre en règle quant au manque d'amour et le refus de pardonner. Moi, ça m'a fait du bien parce que hier, par exemple, j'ai eu des histoires avec mon mari et j'ai des enfants qui sont à bas âge et le témoignage de l'enfant m'a fait réaliser que je devais pardonner à mon époux et pour le bien de nos enfants. Je ne parle pas à une de mes sœurs, même c'est pour ça que je suis sortie très tôt, je m'en ai demandé pardon. Étant servante de Dieu, j'ai eu beaucoup de frustrations. Et vraiment, et je pleurais même pendant le message parce que j'avais dit je ne dois pas pardonner. Et j'étais dans une terre étrangère et tant des hommes de Dieu m'ont laissé, abandonné quand je perdis l'homme de Dieu. Et tout le monde m'a abandonné malgré tout, le Seigneur m'a béni et j'avais vraiment la haine. Et ce message de ce matin, je s'aimais plus parce que vraiment ça m'a restauré. Je suis libérée, j'ai fait le choix de pardonner à tout le monde. Et je vais joindre cette décision-là aux actes. Je vais le faire cette semaine. Au moins 2 ou 3 personnes et puis au niveau de la famille même. Il y a tellement de choses à régler. Je pense que c'est moi qui dois faire le premier pas. Pendant sa prédication, beaucoup de personnes se sont mises devant le Seigneur. Beaucoup ont pleuré parce que le message était très profond. Et nous croyons effectivement que, quelle que soit la vision que le Seigneur donne, quelle que soit l'onction qu'il accorde, sans l'amour, nous ne sommes rien. Nous sommes chrétiens depuis plusieurs années, mais parfois on a du mal à pardonner des petites choses, des choses auxquelles on s'accroche, qui pourtant n'ont pas une telle importance, des choses qu'il suffit simplement de laisser tomber, d'abandonner pour avancer avec le Seigneur. C'est une plaie dans la maison de Dieu, parce que beaucoup ont d'énormes potentialités, mais à cause du manque d'amour, ils perdent leur bénédiction. Je pense qu'elle a touché vraiment du doigt ce qui mine même la vie chrétienne aujourd'hui. Et elle a mis le doigt là où ça fait mal. Là où ça fait mal.
ça fait mal. Parce que c'est les gens confondent aujourd'hui la marche avec Christ et puis bon, les problèmes de tous les jours. Quand on a fait la prière de fin, automatiquement moi j'ai pris des résolutions pour dire ce qui est important dans la vie de tous les jours et dans la vie du chrétien, c'est l'amour. Je pense que c'était vraiment très fort. C'est je pense un des meilleurs moments de Pâques que j'ai passé. Christ nous envoie, Église Vase d'honneur, ministère, message de vie, apporter sa consolation aux affligés, apporter les soins médicaux. Expérimenter la puissance au nom de Jésus. Cette bande-annonce fait référence aux campagnes d'évangélisation et aux enseignements dispensés par le pasteur Mohamed Sanogo, fondateur de l'église Vase d'honneur du Côte d'Ivoire. Depuis 2002, il n'a cessé de faire des progrès. À SPAC 2016, son ministère entre dans une nouvelle phase de son expansion par son établissement comme apôtre. C'était la grosse surprise de cette conférence. Le docteur Mamadou Philippe Karambiri a d'abord expliqué que cette action n'est pas l'œuvre d'un homme. L'exemple de Paul, autrefois appelé Saul de Tars, l'illustre bien. Paul a été appelé, il a servi, il a fait de grandes choses. Il a eu un mentor qui l'a accompagné. Dieu maintenant va passer à l'établissement, va établir publiquement donc cet apôtre-là pour montrer à tout le monde, à tout le corps de Christ, que Saul de Tars là est établi. Et c'est le Saint-Esprit qui parle. L'importance du ministère apostolique aujourd'hui n'est plus à démontrer. Les nations attendent l'évangile. Après avoir décrypté les Saintes Écritures, le docteur Karambiri a lu le texte de référence sur lequel le pasteur Sanogo, désormais apôtre, doit s'appuyer en tout temps. Ésaïe 42, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa parole. L'imposition des mains, suivie de la proclamation de paroles prophétiques, a été le dernier acte de l'établissement de Mohamed Sanogo. Maintenant, Seigneur Saint-Esprit, je le remets en tes mains. Fais de lui ce que tu as prévu dans le ciel. Que son livre des œuvres que tu as préparé ne soit jamais vide. Que chaque pas soit rempli au nom de Jésus-Christ. Que la volonté de Dieu soit révélée sur ta vie au nom de Christ Jésus. Et qu'il marche dans tes voies. Au nom de Christ Jésus, amen. J'étais totalement surpris, je ne m'y attendais pas. C'est une grâce d'être appelé par Dieu, c'est une grâce d'être choisi par Dieu. C'était vraiment un honneur pour nous. Il n'y a pas de plus grand métier, il n'y a pas de plus grand service que d'être au service du Seigneur. Pendant que papa priait pour moi, il me posait la main, c'était une responsabilité. Voilà, je voyais la responsabilité, je voyais, oh Seigneur, je suis dans ta présence pour prendre la feuille de route, pour savoir ce que tu attends de moi à nouveau. Ça montre que jusqu'à présent, tu as certainement été satisfait. Tu as des reproches à me faire. Tu sais comment Saint-Esprit, je dois m'améliorer. Je vois cela comme étant une grâce, un honneur, mais surtout une attente de la part du Seigneur, une responsabilité de la part du Seigneur. L'apôtre Mohamed Sanogo a fondé l'église Vase d'honneur en 2002 avec pour but d'amener les chrétiens à manifester le règne de Dieu et à influencer le monde par la qualité de leur vie. En somme, susciter des chrétiens d'honneur, utiles entre les mains du Seigneur pour l'avènement véritable du règne de Dieu en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Une vision en parfaite adéquation avec la nouvelle dimension apostolique de son ministère. Dans le nom de Jésus, non, dans le nom de Jésus, nous avançons et la gloire de Dieu sera manifestée.
C'est sur une très belle note que prend fin cette deuxième conférence de Pâques ici à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Une édition qui a porté sur le thème « Développer une mentalité de vainqueur, manifester la pensée de Dieu ». Eh bien, les enseignements donnés par le docteur Maurufili Karambiré et son épouse ont eu un très grand impact. Et nous vous remercions d'avoir suivi cette édition spéciale et à la prochaine. Avec Jésus-Christ, je réussis toujours.